Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve non pas sur Planet Zoo, mais sur Planet Coaster. Pourquoi ? Parce que on a eu une petite idée avec Mkolo, une petite idée de parc à faire ensemble. En fait, comme le jeu n'est qu'en solo, mais qu'il y a la possibilité de se partager le jeu sur le workshop, j'allais dire le zoo, mais non, le parc sur le workshop, en fait, Nico nous a préparé le début du parc. Donc on ne doit pas tenir compte pour l'instant de ce coaster, mais vraiment pour l'instant du parking. En fait, nouveau let's play, nouvelle aventure, bon du coup de construction et de gestion, sur Planet Coaster, où moi je vais m'occuper de la décoration du parc. Je vais voir avec Mkolo si c'est plus décoration atypique du parc avec les zones, ou alors si c'est vraiment décoration aussi des coasters. Et Nico va s'occuper de construire les coasters en soi, avec les manèges, etc. Donc on va avoir pas mal de vidéos. Donc dans le lien que je vous partagerai sur YouTube, dans la description, vous trouverez ces vidéos et la playlist à suivre. Le zoo sera... Le parc ne sera pas disponible tout de suite sur le workshop. On fera ça, bien sûr, au fur et à mesure. Je me mettrai en accord avec lui pour savoir quand est-ce qu'on poste nos vidéos, etc. Quand est-ce qu'on postera le parc ensemble. Et donc là, ce que je vais vous proposer comme let's play, c'est à chaque fois une petite discussion au début, une petite visite du parc pour qu'on puisse voir ensemble l'avancée du parc. Parce que, évidemment, Nico, lui, il continue de son côté le parc, en fait, pendant que nous aussi... Donc moi, au fur et à mesure, je vais le mettre à jour dans le workshop. Et lui, pareil. Bon, du coup, je pense que, étant donné que le jeu, je n'y ai clairement jamais joué, je vous le dis clairement. Moi, j'ai été directement je ne sais plus comment ça s'appelle, l'autre, là, le nouveau coaster, enfin le nouveau jeu de coaster qui est sorti. Donc il y a des choses que je découvre entièrement, c'est-à-dire toutes les constructions, je ne sais pas dans comment elles sont configurées, à quoi elles ressemblent, les thèmes, etc. Bon, de toute façon, on sait qu'ici, je ne sais pas par contre où arrivent les... Par où arrivent les visiteurs, je suppose par là, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que l'entrée des visiteurs se fait ici, ouais, il n'y a pas d'allée. Tac, tac. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas toucher aux allées pour l'instant. Dans tous les cas, l'entrée va se faire par ici. On va essayer de faire quelque chose qui reste plat pour l'instant, parce que si le parc il commence à être un peu plus formé au niveau de la terraformation, parce qu'on a l'avantage de pouvoir terraformer aussi ici, on va pouvoir creuser tout ce qu'on veut. C'est pareil que Planet Zoo là-dessus, on va rester dans la même chose. Donc autant pouvoir en profiter, mais pour l'instant... On va réfléchir à ce qu'on va faire comme entrée. Bon, écoutez les amis, moi j'ai regardé quelques petits trucs et je pense que le mieux ça va être les deux. Donc les deux ici, j'ai changé un petit peu la couleur, j'ai mis celui-là. Franchement les deux ça pourrait bien s'affilier ensemble, je sais pas comment on dit. Par contre, comment on va construire ce parc, ça c'est une autre question. On a aussi du vert, oh c'est génial. Les trois là, voilà, le thème de l'entrée du parc. Franchement, génial. Alors maintenant, hé, reviens. Maintenant, la question est, comment va-t-on faire? On a des petites... Oh, c'est trop bien. Il y a des bruits, c'est trop bien. J'ai cru que c'était chez moi, j'ai eu peur. On a des petites fenêtres en déco, on a pas mal de choses, on a du verre, et c'est parfait, ça. Ça qu'on doit vouloir faire, parce que je suppose que si tu veux le mettre... Hop, comme ça... On le voit, mais pas encore trop. Donc on peut faire franchement un truc assez futuriste et classe en même temps. Genre par exemple, du coup, si on va là-dedans. Hop. Ou s'il n'y a pas un mur... comme sur... Ah, on va pas avoir comme sur Planet Zoo. Ça, c'est dommage. Je suis juste un petit peu deg pour ça. C'est pas grave. On va faire en sorte de mettre un truc... On va faire en sorte de mettre un truc comme ça avec où est-ce qu'il est, quoi ça, comme ça, genre hop. Hop.
Hop, comme ça. Et on va mettre les vitres au travers. Ça peut être pas mal aussi. Ok. Ah! Non. Ok, on a ça aussi. Ça, tu vois, direct en entrée, on va pouvoir placer. Oh non, le plaçage... Oh non, le quadrillage, il est mauvais, ça m'énerve. Ok. Ok. Tu me le déplaces. Hop. Toi, tu veux me placer là. Ça, tu supprimes, c'est bon, j'ai pas besoin. Parfait. Du coup, moi, ce que je veux, c'est placer ça. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de placer ça. Hop. Ah, oh, j'adore. Je suis parfaite. C'est parfait. Comme ça, on commence direct. On va te placer. Hop. Par contre, tu me sors de la grille. Je veux que tu sortes de l'alignement. Que tu rentres modifier le bâtiment. C'est pas grave, on va faire comme ça. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer la construction. Je pense faire en sorte que... on va avoir un petit sas d'entrée en verre. Avec le dessus où on verra, on va voir pas mal de choses. Avec bienvenue. On va reculer un petit peu ici. Je ferai des parterres de fleurs. Et là, on va avoir une grande entrée. On va dire, allez, j'espère pas faire trop grand. J'ai que de la pierre. Ah, ça, c'est fort. J'aimerais bien faire un truc qui fasse minimum cette taille-là. Minimum, hein, j'ai bien dit déjà. Donc on va faire un truc qui va comme ça. Avec bah, une allée principale déjà ici et deux qui font ça en Y. Hop, direct. Voilà. On va déjà faire ça. Et puis je pense qu'une fois qu'on aura construit l'entrée, je vous reparlerai à la fin de la vidéo pour qu'on discute un peu de la suite. Parce que du coup, ici, on a un premier coaster. Je ne dois pas en prendre compte, m'a dit Nico. Donc, je ne vais pas en prendre compte, mais c'est déjà un sacré coaster. Regardez-moi ça. Allez, hop. Bon, allez. Je rigole. C'est parti. On s'y met. Et je vous dis à tantôt.
voilà les amis, écoutez, j'ai fini l'entrée du parc et à chaque fois j'ai le réflexe de dire du zoo. Bon, c'est une petite entrée, hein. Franchement, on va pas chercher à faire plus parce qu'étant donné, regardez la taille de la map, elle est pas gigantesque. Donc ça commence à faire une grande entrée. J'ai respecté la taille que je voulais et je pense qu'on est bien, on est plutôt bien. Donc je laisserai Mkolo faire le reste, faire ses allées, etc. Comment il veut former son truc. Moi j'ai placé ma petite entrée, comme ça il va pouvoir continuer tranquillement à faire son parc. Donc j'ai fait un intérieur bien classique, hein. On a mélangé tous les matériaux dont j'avais parlé avec les toilettes, un point d'information des visiteurs, etc. Il placera le reste s'il faut et moi je retournerai de temps en temps pour ajuster quelques petits trucs. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner sur ma chaîne et sur celle de Mkolo si la vidéo vous plaît, et si même si elle vous plaît pas, vous laissez quand même un petit pouce bleu parce que c'est comme ça et c'est tout. Allez, je rigole. Allez, on se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao tout le monde, à bientôt.